à tous. C'est François. Aujourd'hui, on se retrouve chez Arc de Triomphe Automobile, concessionnaire Jaguar Land Rover. Et on va parler plus particulièrement de la Jaguar E-Pace et d'une spécificité qu'elle a, c'est qu'elle est disponible en trois types de motorisations différentes. En diesel, ça c'est la somme tout assez classique. En essence, complètement homologuée à l'E85, flex fuel, c'est comme ça qu'on dit. Et aussi en hybride rechargeable, une version un petit peu plus puissante. Et pour discuter et pour mieux comprendre les avantages et les défauts en tant que particulier, en tant que professionnel en société ou n'étant pas en société, donc trouver les avantages et comprendre le bon produit à acheter, eh bien nous allons discuter et je vais interviewer Louis Jardin, qui est conseiller commercial vente société dans cette belle concession. Bonjour Louis. Bonjour François, bienvenue. Merci. Donc on se retrouve dans un cadre qui est très sympa, c'est votre concession d'Arc de Triomphe. Je vous invite, même si vous n'êtes pas acheteur, il va rigoler quand je vais dire ça, mais venez, c'est l'endroit est juste, on oublie, ça fait très longtemps que je n'étais pas passé, c'est magique. L'endroit est absolument superbe, bon, il y a des superbes autos, et l'endroit est absolument magnifique. Donc venez, le cadre est à la hauteur de la qualité des marques qui sont représentées. Donc première question, quand on est un professionnel, et qu'on est en société, et donc on est amené à payer la TVS, taxe sur les véhicules de société, en fonction de ces trois types de motorisation, eh ben, qu'est-ce qu'on va avoir à payer ? Alors, premièrement, avec la motorisation diesel, nous avons deux moteurs disponibles, un 165 et un 200 chevaux. Et sur ces motorisations, vous allez avoir une TVS qui va se situer dans une fourchette de 1000 à 2800 euros par an. Pour la motorisation P200 Flex Fuel, donc compatible au bioéthanol, le 85, exactement, la TVS va s'échelonner entre 3300 et 4200 euros par an. Et enfin, pour la motorisation P300E hybride rechargeable, il faut savoir qu'on bénéficie d'une exonération totale de la TVS sur ce véhicule. Ok. On continue à parler d'argent et de dépenses incontournables. Quand on fait la carte grise pour ces trois types de motorisation, qu'est-ce qu'on a à payer ? Alors, en diesel, boîte automatique, il faut savoir qu'on est exonéré de frais de carte grise. En P200, flex fuel, bioéthanol également, toujours pas de carte grise. Et en P300E hybride rechargeable, encore une fois, pas de carte grise. Donc c'est quand même sympa chez vous, toutes les cartes. L'État vous fait cadeau des cartes grises quand on vient. Exactement. Quand on vient chez Jaguar. Bon, ça c'est quand même sympa. Donc on va pas me dire que c'est un truc pour les riches Jaguar. Parce que... Non, là. Côté malus, on continue dans tout ce qu'on se fait un petit peu taxer. Exactement. Les différences principales, enfin les différences entre les différentes motorisations, dis-nous. Alors, toujours en motorisation diesel, au niveau du malus, à l'immatriculation, on va se situer entre 1200 et 7500 euros. Et moi, je pose une question, qu'est-ce qui va faire cette différence en fait de malus entre 1200 et 7500 euros ? C'est que les options vont charger, augmenter de façon... C'est alors, quoi les contraintes ? Tout d'abord, la motorisation va être prise en compte. Et ensuite, c'est vrai qu'avec les nouvelles normes d'homologation WLTP, désormais, on prend en compte le niveau d'équipement du véhicule et tous les équipements qui l'alourdissent, en fait, impactent son niveau de CO2. Donc, plus le niveau de CO2 est élevé, plus le malus l'est également. Et en fait, comme on doit, du coup, dans certains cas, passer des caps et des seuils, c'est là où on explose, en fait, le malus. C'est pour ça qu'on passe de 1002 à 7005, parce qu'il y a un seuil qui se passe et qui fait très, très mal. Et exactement, oui. En fonction des options, vraiment, on va passer des caps. Et parfois, pour quelques grammes de CO2 au kilomètre, on va vraiment passer dans des tranches qui sont vraiment très élevées. Et on le verra et on en rediscutera. On vous donne des points de repère sur les coûts d'utilisation, mais la grande conclusion, c'est qu'il faut vraiment rentrer dans le détail parce que c'est en fonction de l'utilisation, de la situation fiscale, en société ou pas, etc., et exactement du véhicule qui est choisi, qu'il y a des tonnes de critères différents qui vont faire que le coût d'utilisation variera. C'est un peu un casse-tête et c'est aussi là qu'un bon conseiller... Comme oui, non, mais on en sourit tous les deux, mais où vraiment il y a besoin d'une expertise pour faire le bon conseil et la bonne analyse de coût, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de critères. Exactement, à la fois des critères et des variables qui font qu'il y a vraiment un panel à étudier avant de faire son choix. Donc on était sur le malus, diesel 2200 à environ à 7500 euros, en E85. 1200. 1200 à 7500, pardon, oui. Et donc en E85 le malus.
Pas de malus, parce qu'il faut savoir sur cette motorisation particulière, on bénéficie d'un abattement de CO2 de 40% à l'immatriculation du véhicule, ce qui nous fait passer en fait sous le seuil de déclenchement du malus. Donc pas de malus de ce côté-là. Et pour le l'hybride rechargeable, je suppose. Pas de malus non plus. Ça, c'était, on est complètement dans la logique. Exactement. Alors, on va parler de quelque chose. C'est moi qui ai posé un peu cette question-là et qui ai fait un peu l'utilisateur lambda. Quand on regarde la fiche descriptive de l'hybride rechargeable, on nous dit homologation 2 litres au 100. Alors, moi, j'étais un peu surpris parce que je me suis dit 2 litres au 100, ça veut dire quoi? Ça consomme vraiment 2 litres au 100. Et après, on comprend que l'homologation, elle tient compte du fait que vous allez pouvoir rouler en partie à l'électrique. Donc c'est quoi la consommation? Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la vision qu'on doit avoir de la consommation d'un hybride rechargeable? C'est toujours compliqué d'estimer la consommation de par le fait que d'une part ça va dépendre de l'utilisateur. Est-ce qu'il va jouer le jeu, recharger son véhicule, à quelle fréquence, quel type d'utilisation il va avoir? Est-ce que c'est plutôt de l'urbain? Dans ce cas-là, la partie électrique prend tout son sens. Ou plutôt l'extra-urbain avec des voies rapides où là c'est moins intéressant. C'est en cela que c'est toujours difficile d'estimer les consommations, mais disons que plus vous êtes en électrique, moins vous allez consommer. Quasi zéro même potentiellement en fait. C'est tout à fait possible de consommer zéro si vous rechargez votre véhicule et que vous avez les parcours adéquats. Vous allez vraiment ne pas consommer, rester sur l'électrique. Par contre, si, comme je le disais, vous êtes sur les voies rapides, là où l'hybridation perd un peu de son intérêt, vous allez avoir des consommations qui vont se rapprocher d'un véhicule essence Classique. et classique, exactement. Ok. Pour continuer sur l'intérêt et les spécificités de l'hybride rechargeable, est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'on peut mettre, parce que c'est de l'essence, est-ce qu'on peut mettre de l'E85 dans le réservoir de votre hybride rechargeable? Non, malheureusement, le 85 est exclusif à la motorisation P200 Flex Fuel et ce carburant n'est pas homologué sur la motorisation hybride rechargeable P300E. Ok. Encore une autre question. Aujourd'hui, quand on compare les trois types de motorisation, moi j'aimerais bien que tu nous dises quel est le critère numéro un, la valeur ajoutée principale pour chacune de ces motorisations. Alors aujourd'hui, avec la fiscalité, tous ces critères sont vraiment été remis à plat. Toutefois, le diesel reste cohérent pour les gros rouleurs, ceux qui roulent vraiment beaucoup, où là, le diesel continue à garder son intérêt malgré la pression fiscale qu'on peut avoir sur cette motorisation. Le P200 Flex Fuel, donc compatible au bioéthanol à l'E85, va trouver un intérêt pour les particuliers et les professions libérales qui ne sont pas assujetties à la TVS. Et la motorisation P300E hybride rechargeable va, elle, plus se destiner aux sociétés. Qui donc justement bénéficie de tous les abattements fiscaux et... Exactement. Tant au niveau de l'amortissement, qui est majoré, que de l'exonération de taxes sur les véhicules sur les sociétés. Pour donner un petit point de repère aussi prix, parce que c'est il n'y a pas que les taxes, c'est aussi les prix des véhicules, on a fait une comparaison avec le même niveau d'équipement. Exactement. Et donc donne-nous à peu près les tarifs pour comparables à équipement comparable pour ces trois motorisations différentes. Alors pour un même niveau d'équipement sur une finition Air Dynamic S, qui est une finition qui commence à être sympa avec des équipements assez valorisants, en diesel boîte automatique, on va être à 51 350 euros. Sur le P200 hybride flex fuel compatible bioéthanol, on va être à 51 500 euros, donc très légèrement au-dessus. Et la version hybride rechargeable, donc la P300E, on va être à 58 800 euros. Donc là, on voit qu'on a quand même une Un diff, gap. exactement, un gap qui est plus conséquent de par le fait que l'innovation technologique ait un coût. Et aussi qu'on compare un diesel et un E85 qui sont autour de 200 chevaux et que le P300 en cumulé essence et électrique et Se a... situe à 300 chevaux. Donc on est aussi, c'est aussi une certaine logique par rapport à Exactement, la oui. puissance qui est proposée sur cette version-là. Quelque chose qui est quand même bon, qui évolue tous les jours et qui est spécifique aussi au véhicule qu'on veut commander, mais donne-nous des ordres d'idées de délai de livraison pour chacune de ces motorisations. Ça donne un point de repère, comment il faut anticiper de toute façon en ce moment l'achat d'un véhicule. Alors, en temps normal, c'est toujours mieux d'anticiper, ça permet de prendre le temps de la réflexion. Mais c'est vrai qu'en ce moment, plus que d'habitude, il faut vraiment anticiper. Il faut savoir que sur les motorisations diesel, qui sont les moins demandées, on est déjà sur 3-4 mois de délai. Sur la motorisation P200 Flex Fuel, donc celle qui est compatible au bioéthanol,
On est déjà sur 8-9 mois de délai. C'est une motorisation qui est fortement demandée en ce moment. Et la motorisation hybride rechargeable est tout autant, mais toutefois, on reste sur des délais de 6-7 mois. Bon, précision qui est importante, c'est que ces allongements de délai ne sont pas vraiment spécifiques à Jaguar Land Rover, c'est toute l'industrie automobile qui est confrontée à des difficultés aussi d'approvisionnement avec les puces, etc., qui sont problématiques. Donc tout ça est sujet à variation et à réduction à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, il faut avoir cette conscience que l'achat d'un véhicule neuf est un peu compliqué en termes de délai. Exactement, c'est lié aux semi-conducteurs, c'est pour ça qu'il faut vraiment anticiper ses besoins. Si je garde mon véhicule 4 ans, achat ou location? Plutôt location? Et pourquoi? Pour la tranquillité d'esprit. Non, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que ça permet d'avoir un loyer qui est connu à l'origine, tous les mois fixe que vous payez. Et surtout, pour pas être sujet à la volatilité du marché de l'occasion et aux différentes mesures fiscales qui pourraient venir. Impacter cette Voilà, valeur à la fin exactement. de quand vous voulez revendre le véhicule. Exactement. Ok, bon, écoute, merci Louis de tous ces éléments de réflexion pour faire le bon choix en termes de motorisation Avec plaisir. sur un Jaguar E-Pace. Et puis moi, ma conclusion pour reprendre un petit peu ce dont on a abordé, on redira que diesel, on est plutôt sur des schémas de consommation plus faibles, avec bien sûr une disponibilité de stations pour faire le plein un peu partout en France, et qu'elle s'adresse plutôt à des gros rouleurs, gros consommateurs, gros faiseurs de kilomètres. Que le 85 a un coût kilométrique très faible dès le début de l'utilisation, dès les plus faibles kilométrages. Et à ne pas oublier, c'est que le 85, vous n'êtes pas obligé d'utiliser que de le 85 où il y a de plus en plus de stations, mais vous pouvez mettre bien sûr Du samplon classique et vous pouvez surtout l'intéresser, vous pouvez le mélanger dans n'importe quelle proportion. Donc vous complétez, vous rajoutez, etc. Exactement. Ça reste extrêmement flexible. Et puis moi, pour ma part, je le reconnais, j'aime bien aussi le comportement et le confort d'utilisation d'un moteur essence, pas de bruit, etc. C'est quand même un point très positif. Et puis le dernier, l'hybride rechargeable, puissance supérieure dans d'autres cas de comparaison. L'avantage aujourd'hui déjà, et ça va arriver de plus en plus, de pouvoir circuler dans les ZFE en full électrique et donc de ne pas avoir aujourd'hui et demain de contraintes d'accès dans les centres-villes qui sont concernés par les ZFE de plus en plus contraignantes. Et puis, si on l'utilise intelligemment, en utilisant la recharge à la maison, et puis des fois quand même au travail, on peut aussi l'utiliser. Même dans la rue. Oui, exactement. Donc c'est dans la rue pour recharger. Si on va chez un client, chez soi, si on s'intéresse à ces possibilités-là, on est quasiment à un coût d'utilisation quotidien égal à zéro. Exactement. Merci beaucoup Louis Avec du temps plaisir. passé pour nous expliquer toutes ces belles choses. Et puis n'hésitez pas à aller regarder le détail sur le site Jaguar Land Rover et bien sûr de venir chez Arc de Triomphe pour découvrir toutes les gammes Jaguar et aussi Land Rover, bien sûr. Avec plaisir.